Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est sur un Mercedes Actros avec une boîte semi-automatique assez spéciale en bas. Semi-automatique avec un embrayage, c'est une boîte de vitesse qu'il y a uniquement chez Mercedes, alors c'est assez spécial. Alors nous avons là le sélecteur de vitesse qui est en dessous de la coudoir, d'accord. C'est avec ça qu'on va changer les rapports. Alors on présélectionne et on appuie sur l'embrayage. Attention, il y a cette boîte de vitesse aussi qui existe, mais sans l'embrayage. Donc là, c'est avec l'embrayage, donc c'est pour ça. Je n'ai pas hésité à faire une vidéo sur ça, parce qu'on n'en voit pas tous les jours. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors, pour passer les vitesses, un cran en avant, ça le présélectionne, et on appuie sur l'embrayage pour sélectionner. C'est aussi simple que ça. Là, on va arriver en feu. Alors, je vais ralentir. Pour ralentir, je vais utiliser du frein moteur avec un ralentisseur. Je présélectionne le 7e rapport. On appuie sur l'embrayage. 6e rapport. J'appuie sur l'embrayage. 5e. Tac. Et là, j'ai envie de me mettre au point mort. Pour le point mort, c'est le bouton à droite. Et là, on est au point mort. Pas si vous voyez bien, point mort ici, et de l'autre côté il y a le même bouton, mais celui-là on appuie juste pour la marche avant, pour les premiers rapports, ou pour la marche arrière. 4e, le feu il est redevenu orange, je suis en 4e, je freine, point mort, voilà. Et ensuite en dessous, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Alors, juste ici, on a les demi. Alors, haute et basse. Voilà. Là, le feu va être au vert. Je présélectionne mon rapport. J'appuie sur l'embrayage. En gros, c'est une boîte de vitesse manuelle. Mais à la place de faire le circuit d'une boîte manuelle, première, deuxième, troisième, quatrième, bah tout se fait au levier. C'est une boîte semi-automatique, mais assez spéciale. Pour moi, on va l'appeler manuelle. Pour moi, c'est une boîte manuelle avec un levier spécial. Je ne peux pas appeler semi-automatique. Là, je suis en deuxième, je relâche l'embrayage comme une boîte manuelle. Je passe mon 4e rapport. Alors, je saute les vitesses parce que je suis à vide. D'accord, 6e, 7e, tac, j'arrive au feu, je rétrograde, tac, 5e, 4e, embrayage, point mort, voilà. Donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je pense avoir tout dit. Tac. On va sur ce. Passez une bonne journée.